Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Trois pays trafic illégal ZAM dans Caraïbes là ak Haïti. Vernon T. Forêt, directeur opération service la douane ak protection frontière États-Unis pour région Miami ak Tampa Floride là, bay détail sou ki jan autorité américain yo gen intention trois pays trafic ZAM nan. Nous fixer comme priorité inspecter tout cargo qui destiné pour Haïti. N'ap inspecté colis moun expédié par ligne aérienne commerciale yo tout. Donc ensemble avec partner nou yo, n'ap servi avec tout outil nou gagné à la disposition nou pour identifier et saisir zam, pièces pour zam ak munitions à destination Caraïbes là et à cause augmentation nou constaté à Haïti en particulier. Nouvelle ça a tombé après plusieurs semaines bataille entre gang yo dans Port-au-Prince qui la cause des milliers moun obligé couri kite kayo et des centaines d'autres blessés. Pendant ce temps, pays tankou Bahamas avec Jamaïque rapporté une augmentation dans zak violence qui fait ak zam la kayo. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Voilà, c'était Sandra Lemaire. Sandra Dominique Lemaire, c'est lui-même qui est nouvelle responsable section créole pour Voix de l'Amérique dans pays États-Unis. L'autre information, dans un rapport qui est publié dans la date 16 d'août 2022, Réseau national Cap défendre droit moun yo déjà collectif pendant 10 premiers jours affrontement entre gang G9 et G-Peuple dans Cité Soleil. Souka Kadeja Kyo, assistant responsable programme dans RNDDH, Marie-Rosie Kessner-Auguste, révélé gen mesdames yo, yo violé devant Mario ak petit yo. Li rappelé Kadeja en groupe, c'est yo qui fait sous forme actifi passé dans plusieurs quartiers tankou Douya, Simon Pelé, Deyemi, Bloc L, Cité Cantou, Bois Neuf, Cité 17, tout est noir et latrier. Plus détails avec Marie-Rosie Kessner-Auguste, Namiko, collaborateur nous, Micheli Alexis. Sur 17 pour arriver 17 juillet 2022, j'ai 9 familles alliées et attaqué zone dans Boucline qui est dirigée par Gabriel Jean-Pierre, alias Gabriel, et qui lui-même, c'est chef GPEP. Pendant massacre yo qui vient que yo fait pendant toute période ça gagné en pile exaction qui commet sous population et jusqu'à présent bilan massacre gang yo fait yo c'est un bilan que nous même au niveau de RNDDH pour nous qui exhaustif toujours mais malgré tout qui déjà très lourd nous recensé pour petit 300 moun qui mouri assassiné cadavre pifonan yo boulé par bandi armé yo pour petit 22 moun blessés soit par balle ou bien arme blanche et pour petit 52 femmes actifées qui victimes viol collectif et répété et rapport ça justement que nous fait sortir dans date 16 août 2022 hein, c'est pour nous mettre faisceau sous cas ça yo et cas de viol collectif et répété yo. Donc dans sens ça nous même dans RNDDH nous avons parlé avec 52 victimes survivantes, non mineures, il y a 14 ans, non femmes qui âgées de 55 l'année, 12 victimes qui âgées entre 18 l'année et 25 l'année, 38 autres qui âgées entre 26 l'année et 49 l'année et nous parler tout avec 4 victimes survivantes qui enceintes et parmi eux, gagnent qui étaient déjà dans stade avancé de grossesse. Donc, ça montre à clair que, question l'âge, question est-ce qu'on sont mineurs ou bien est-ce qu'on sont monde qui en âge avancé, question état de grossesse, pas freiner bandi yo pour yo violer mesdames yo dans cité a. Dans récit tout que yo partager avec nous et qui d'ailleurs fait objet du rapport ça, nous rivés nous t'a dit rendre compte que c'est carrément l'horreur que tu vive dans cité soleil sur 17 pour arriver 17 juillet 2022 bandi yo violé 20 parmi victimes yo en présence de petites yo gien des petits monde qui en bas âge et gien au moins une petit monde yo qui lui-même gien 3 ans qui t'a crié en pile pendant bandi t'a violé maman ni yo bali un coup de couteau dans tout gien 2 non survivants yo que violé en présence de conjoint yo et après ça bandi yo assassiné conjoint yo en bas âge
victime viol sa yo. Genye yon nan survivant yo ke yo viole devant maman avec frèl et genye 6 lot survivant yo même qui assiste bandi qui fin exécuter conjoint yo et après ça bandi yo viole yo yon après l'autre. Pa yon nan agresseur yo pat utilize préservatif et victime yo pat ale l'hôpital soit pour yo ta faire yon suivi prophylaxie viral ou du moins pour ta tan men yon processus pour empêcher yon grossesse non désirée. Gen an pile raison que yo partage avec nous pour ça. Gen nan yo ki pat capable déplacer à cause affrontement qui te continue dans cité a, genyen que agresseur yo te séquestré pendant an pile jou et yo te continue à violer yo, genyen ki pat konnen que te doué aller l'hôpital et même jantou gen de l'autre survivante qui te victime de viol déjà et qui suivent déjà un prophylaxie antirétroviral qui dit que c'est trop dur, il y a pas qu'à lui faire son choix donc il fait. Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable programme dans réseau national Cap Défendre Mounio RNDDH. Collectif avocat Cap Défendre Mounio, yon l'autre fois levé voyo pour dénoncer conditions la vie prisonnier dans centre carcéral yon dans pays d'Haïti. Mal manger, maltraitance, doyo continue à pas violer chaque jour. Bon Dieu mette cadeau souhaité. Autorité prend disposition pour récamper système là Cap dépa fini sous pied. Mette Arnel Rémy, yon responsable. Estrictissa cité communiqué binuien qui dit sorti janvier rivé journée jeudi a gagné 97 prisonniers qui déjà mouri dans prison yo à cause mauvais conditions la vie yo. Met Anel Rémy t'a répondu une question collaborateur nous Marc Gerson Philistin. Difficulté qui y en a pas justice là et conséquences que ça gagne sur population carcérale là. Et n'a pas rappelé non rapport BINU, non communiqué que BINU fait sorti, gagné depuis commencement mois janvier jusqu'à mon a parlé là, 97 moun qui mouri en prison. Et dit cellule yo ont certaines promiscuité là-dedans yo, et dit moun pas vivre en prison. Et problème ça pourquoi pas pour résoudre parce que l'état m'en fout bien venir là pourquoi annoncer solution. Dans le niveau parquet de Port-au-Prince actuellement là, pour dame qui recevoir plainte, ça avec téléphone maintenant bouché pour clairer plainte la pécrière, dossier la pécrière. Elle dit commissaire gouvernement, le parquet ne peut délivrer un certificat d'écrou parce que depuis le 10 juin 2022, elle dit toute sa acte dans le parquet a disparu. Elle dit situation compliquée et le nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme défenseurs d'homme, nous fait face à situation ça yo. Et nous obligé d'inquiéter nous parce que la population carcérale n'a pas le pays. Un procès civil n'a pas fait qu'on y a là parce que moi-même comme avocat, l'homme commence un procès civil, l'homme avocat m'a dit communication de pièces, il y a un tribunal qui dit qui va recevoir pièce. Et dit, bagala compliqué, justice en malade, habeas corpus pour que j'en capte correctement, procès correctionnel pour que j'en capte, assise pour que j'en capte. Maintenant, c'est le droit des personnes qui sont détenues, qui sont violées constamment. Et comme organisation droit monde, on est obligé de tirer la sonnette d'alarme parce que nous constatons depuis plusieurs mois et dit des violations en cascade des libertés individuelles. On ne peut pas imaginer une société où l'on promeut l'état de droit avec ces dérives, avec ces violations constantes. Elle dit, monde qui est en prison, il a droit, ordonnance. Maintenant, si le juge n'a pas l'ordonnance de nos lieux, t'as vu? Elle dit, bah là, go. Maintenant, bandit pour le tribunal là, bandit pour le parquet là. Côte de ces arbres. Maintenant, qui juge d'instruction Kounia là pour prendre temps, pour prendre le soin, pour retourner, pour revenir instruction. C'est là la gravité de l'affaire. Maintenant, par rapport à ce qui a passé là, les gens qui sont en prison, qui peut-être pas le soutien, qu'on a tout espoir fini. Aux Amazonas, ils sont catégorie de monde qui malheureusement sont impossibles de sortir. Mais par rapport à ancienneté, à archaïsme, système là, eh bien, c'est population carcérale qui a augmenté. Espoir, nous, ça finit net. Oui, pas, oui effectivement. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, peut-être en question d'amende, européen, amende. Maintenant, qui ça l'État fait? Qui suit qui fait? Et, il y a un problème comme question, les commissaires du gouvernement ont peur de leur job. Parce que, écoutez, moi, j'ai plusieurs dossiers là, moi, qui ont été en train les commissaires du gouvernement font une intervention, ils disent, moi-même, je ne peux pas faire une intervention sans pas connaître parce que je vais révoquer à n'importe moment. C'est grave. Ça vient créer une non-indépendance du parquetier. Il a peur de perdre son job. Et Kenny, alors, excusez-moi, alors mettez-le dans le contexte. Qui contexte est pas de travail. Et seul ça n'a rien, il faut le protéger. Et pour protéger son job, il doit obéir à son boss. Boss, c'est le ministre de justice. Et là, si vous dangriez au évoque. Et tout ça, c'est des problèmes qui a mangé justice qui fait qu'il n'est pas efficace. Vous savez, et pas de plus crier.
on met commencer ouais ONU 1er juin 2021 ONU sort son rapport. Il dit qu'il y a 660 à 600 monde qui mourent chaque année en de prison nous 2021. Vous en avez là? Et deuxième chose, année ça sont communiqué 2022 là, le 2 janvier à moi ça là, il y a 97 monde qui répète la vie des gens de prison. Maintenant, leur pas gain espoir. Leur l'état pas prend responsabilité. Leur justice pas fonctionner. Tu dis c'est bagarre ça va augmenter. Elle dit c'est monde qui est en prison qu'on a la perdu espoir net et nous-mêmes comme avocat dans niveau cadre d'avocatus, nous obligés parler en pile pour attirer les oreilles dirigeants pour dire bon catastrophe qui vient dans prison et monde ça gain droit à la vie. Et faut l'État prendre toute responsabilité pour permettre que catastrophe ça pour améliorer conditions de détention. On a pas côté déclaration Maître Arnel Rémi toujours sous question prison nous pour aller au cas avec Georges Valens puisque gagnien yon enquête impact fait qui sorti alors dans prison au cas là qui montrait pas gagne aucune institution privée ou publique dans au cas qui bail accès avec mon handicapé et situation qui gagne dans prison c'est pas situation pour mon ta vive avec nous Georges Valens depuis au cas. Valens bonjour. Bonjour guerrier, bonjour à tout le monde qui attendait nouvelle là. On salue surtout le monde qui sont différentes stations radio dans le sud paysan, pardon, et encore Radio Le Bon FM en ville locale, Radio Télé La Brise dans Campérin et Radio Méridien au niveau de côte en sud paysan. Et Jean ou fait remarquer les guerriers gagnent réseau sud pour défendre un droit monde RCDH qui dit le bouleversé en même temps préoccupé face avec la situation inhumaine prisonniers à vivre en la prison civile au CAI. Dans un rapport à la mante, l'organisation droit Mounsa Mité Bio, responsable RSDDH, dit inacceptable pour les gens à mourir en la prison à cause de grand goût avec un soin, ils ne sont pas capables de joindre derrière Baroua. C'est pour ça que Réseau Sud est capable de défendre un droit chrétien vivant dans la région sud-là, lancer un vibrant appel au secours en urgence, en bah, toute instance, sans que ça t'a conseillé. Ou qui a attristé de situation par son monde qui est en prison pour comment yo capable contribuer pour éviter à tout prisonnier de tomber mourir à cause manger yo pas ka joindre. RSDDH dans un rapport ça dit que responsable prison civile au Kayo a pas trop content recevoir toute qualité aide dans même monde qui t'a voulu tant pour manger matériel médicaments équipement matériaux construction et latrier prison civile au Kay actuellement gagné 850 prisonniers la dernière reparti dans cette cellule avant tremblement de terre et gagné 14 mais après c'était 7 qui étaient écrasés qui pas jamais réparé d'après ça Lionel Murtil directeur exécutif RSDDH en fait sortir un rapport ça qui était mis tout dehors sous mauvais état monde à vivre en une prison civile au CAI. Et dans le cadre d'une enquête sur accessibilité moun handicapé yo dans institution privée ou publique dans ville au CAI, aucune institution sa yo côté enquête tant est réalisée par arriver respecter sa impact yo communauté pour nous toutes relé accès pour moun handicapé yo malgré programme de construction Grand Sud Lan Pacombre la directrice exécutive à impact là madame Joanne Garnier invite toute institution privée ou publique pour respecter normalement norme construction qui bail accès à moun qui handicapé yo qui sous une chaise roulante les rappeler dans loi qui voté pour en faveur à accessibilité moun qui handicapé yo li prévoit sanction avec amende pour toute instance qui mettait barrière dans institution yo pour empêcher yo moun qui chita sous chaise roulante par exemple à chercher un service quel besoin madame Joanne Garnier fait connaître ça fait inclusion les conseiller tout le monde, raison qui fait les importants pour sensibilisation continuer, puis chercher comprendre la raison qui fait société en vle exclure les gens qui sont handicapés dans le moment où ils ont construit un CAI ou bien une institution. Résultat enquête en stade, c'est venu en bail dans la ville au CAI en présence représentant toute institution qui était enquêtée, ça a été fait de concert avec la coalition nationale moun handicapé, au CONAF dans l'occasion de premier triste anniversaire tremblement de terre dans le Grand Sud
pays. Et puis rapidement, guerrier, pour nous terminer, nous avons dit prix course entre communes qui dans le département sud-là pour rentrer dans la ville Okaya, doublé dans différents circuits régions hein, depuis quelques jours. Raison qui la cause sur leur responsable nous joindre bon côté chauffeur, c'est à cause propriétaire chauffeur, machine avec moto, dans gros difficulté pour joindre un petit goutte de gaz, dans pompe, en particulier diesel qui vient tourner derrière, sans compter gasoline que propriétaire pompio pas livré, de référence, by machin en bas enragé. Donc c'est là qu'ils ont livré gaz selon divers responsables ou dans espace fermé pour aller faire marcher droit. Ça qui est devant pompio a changé côté ces petits machins, gasoline qui tournait fourmi pour par rapport avec la quantité qu'ils ont gagné, qui gagnait devant pompio chargé gaz, quelle que soit quantité, à 800 gouttes pour aller là, qui donc a gagné un petit baisse, un tout petit qui fait à côté de 200 gouttes qui t'a sorti sous prix galop dans Vilokaye. Ministère Commerce, accompagné la police avec la justice, dit qu'il a continué même à checker pompe pour voir si il n'y a pas de gaz pour vendre les petits machins qui donc bail monde de préférence. Allô Valence? Allô? Allô Valence? Allô? Nous perdu contact avec Georges Valence, correspondant permanent non depuis Oka et Akli, qui t'a parlé non de situation qui gagnait la prison civile Oka Elan côté gagnait mauvaise situation prisonnier yo à vivre dans espace ça. Oui Valence. Oui non, problème de communication. Problème de communication. Oui, très bien. On mettra pour suivre. Oui, oui. Donc, nous t'a dit que guerrier, par rapport à question gaz là, gagnait et responsable ministère commerciaux ensemble avec la justice qui dit au même yo a pas continué mener enquête dans Pompio pour y arriver déterminer est-ce que gagnait gaz ou pas, puisque yo estimé situation en venir plus grave de jour en jour, alors que marchand yo même yo pas jamais gagné gaz pour vol à Tena la rue, côté que gagné une baisse qui arrive faite par rapport à 1000 gouttes que galon te convenant pour qu'on est là, dans le moment où on a parlé là, eh bien, on a acheté un galon gaz là, 800 gouttes dans la ville locale et gagné dans l'autre zone qui soit dans le bloc Akir ou bien dans l'autre région qui avant au CAI, là, ce type de presse qui vend gaz là toujours à 750 gouttes en situation qui toujours est la guéco, crête à la CAI en situation. Il faut que nous disions sur notre numéro d'IA, surtout au niveau de Akin, eh bien, situation à la cause que moun pas capable d'entrer à l'aise, côté que gen route qui toujours barré à tout moment, côté moun yo a pas protesté contre monter gaz là, et yo toujours a pas fouillé machine pour garder est-ce que pas gen galon qui a transporté ou bien qui t'a acheté gaz et que yo t'a crivé galon sa yo, en façon pour exiger autorité yo assumer responsabilité yo dans ce sens guerrier. Pile Georges Valence, correspondant permanent nous dans ville Okaï, qui tape informé nous des situations dans Okaï. Bon, nous allons parler avec citoyen ça, Hérode Moïse, qui lui-même, ses frères, Vertil Elie, jeune garçon ça, nous songer, qui était mort en Kabbal sous place Canapé Vert, famille qui continue à réclamer justice. Bonjour, Hérode. Bonjour, Massalio Gallier, Massalio, Madame Idia, et Thomasson, et John Ferdinand. Oui, Monsieur Gallier, ça fait 6 à 7 mois depuis que je suis perdu frère dans ce place canapé. Je m'attends de l'État haïtien, dit rien. Et Monsieur Kondagana, bandit Kondagana, malandré Kondagana, qui m'a dit ça, je ne j'ai dit, permettez-moi, je m'ai perdu mon enfant, même grand par grand. Papa mouri, 14 avril, chagrin frère m'a tué papa. Maman m'a mouru samedi 13 août là. Et m'a toujours dit ça. Kondagana, maman m'a mouru, lui dit pour me dire merci pour lui. Parce que elle a fait combien de jours l'hôpital là? Elle fait 23 jours à l'hôpital. Bisou. Ah, Hérode. Je ne dis à ce Kondagana pas que tu es Vertil. Elle a pleuvé là. On va même besoin de descendre non, pour venir soutenir. Aussi, on va même descendre non. Gros temps céleste va même descendre non parce que ça là pour moi tout temps mais depuis les signes tirer la vie comme là c'est problème là en dire et pas en honte encore non pour là il a fait nous des promesses il a fait nous avocat nos promesses et m'a profité tout ça lui mettre Caleb Jean-Baptiste tout
qui toujours campé ensemble avec nous dans tout mauvais moment yo. À toute promesse m'a publié me toujours mettre le courant. Mais l'état va jamais dit rien hein, mais c'est Alain l'a pas à l'école et comme si c'est un monde qui va fait rien hein, par rapport mettre en quinte acte. Il fait régler toute activité à l'aise. Je dis non well dans la rue. Oui, oh, quand on a gagné, ça fait combien de jours là? Quand on partenaire qu'on a dépré là, qui était pas. J'aime être dedans. Parfois, les soirs où elle sortit, elle a réglé l'activité. Les la journée, on parle, elle était en dedans. Elle a dit, on a un fils qui n'est pas qu'à sortir de l'homme. Et comme si c'était un couleur qui est en dedans, tout, la veille, mon doute, ça a coûté, tu peux sortir, tu peux rentrer. Mais, ça va faire. Et rappelez-nous, non, dans quelles circonstances, comment frère, là, t'es mouru? Ça qui t'est passé exactement? Bon, ça qui t'est passé, il est sorti dans le garage, il était tout pour y'a, tout pour y'a, il est monté, il prend le bol à la terrasse pour aller acheter un manger. Mais le finance de manger, il a le bol à la terrasse, il a dû redescendre pour rentrer sous place. C'est bien, quand on a un acte à filmer, bon, j'ai eu ça à l'aime. Quand on a filmé, la brèche, ça, la brèche, la folle, parce que bon, je vais empêcher mon affaire, je vais pas un monde. Mais c'est une machine qui était campée dans le temps où la femme a rentré sous place, son rave. Moment là, on vient. Mais et pas quand on a un autre qui a conduit. Si on parle de le Carlos qui a conduit la machine là. Sous machine là qui a conduit. Carlos qui a conduit. Il y a tous les trois hommes. Il y a un autre qui a conduit. Didier Damous, Carlos qui a conduit. Quand il y a un frère, il a dit bon, il faut passer Carlos. Carlos qui a posé, il a fait capot, il a gardé la main, il a une batterie machine. Quand il y a un dit quand on voit là. Bon, on m'a dit, frère, je ne vais pas répéter dans la radio parce que j'ai l'autre capteur de m'dou. Frère, on dit, même bagala. Il dit, bon, mes septembre, ça m'a frère. Il dit, ah, mon cher, on va pas fouetter ton de la machine, on connaît le moment pour on a, monsieur a monté vite là. On a frère, on dit, bon, faut-il passer dans le calos? Et là, m'a prouvé, là, m'a ouvert, m'a lâché un J. On a, il t'a pas le passé. On a frère, on a descend la machine là, il peut aller, on a le tap bon capteur, il voit le capteur en Afrique, frère. Frère, on a poussé long réseau. Là, les bains font un coup. Encore. Faut me pousser le rosette, là, les blagues tombent sous deux. Faut me dire, ah, où sous? Bon. Là, lui, ouais, lui, dit, quand on a dit l'histoire, qu'on a dit, il pour aller. Là, les amis, le ballon, balle, des têtes, pauvre. Mais le père, personnage qui était ensemble, faut me dire, son, il dit, oh, peut-être plus ça là. Il dit, des personnages à plusieurs coups. Là, il dit, le, tout ce qui est personnage là, t'es en faux. Là, il fait ça. Après ça, il y a quelqu'un qui dit, oh, une dame qui dit, oh, ça n'a pas sorti là, faut me sortir là. Après ça, DJ qui est ensemble avec là, c'est lui qui dit pour négocier carré encore, qui passe sous frem là encore. Après ça, M. Gale, les amis, fait deux plans là pour le TKG et le passé. Depuis le ça va, j'aime bien rien qu'il a dit, tout le monde a arrêté là, la carré école là pour un plaisir. Avec du monde qui mourit, c'est comme si on cabrit, bon, pas même du cabrit, mais nous même si on cabrit, nous mangeons cabrit là. Et comme c'est ton chien qui est là, il n'y a pas de famille. Très absurde, babam. Stressé, maman, stressé, maman, en cause, on est qui détruit la vie au monde, ou met problème dans la vie, et n'est pas qui détruit le monde. Ok, si tout le monde ne va pas être une bonne famille, on ne peut pas nous comprendre une famille. Demain, si tu es le qui s'est détruit la vie, tu vas aller devenir un pays. Je ne parle pas pour dire, je ne parle pas de maman. Ok, qui s'est détruit? Quand il y a deux petits mouns qui vont aller dans le pays, là, son cabre, son bout de côte dans la tête, il y a des problèmes dans le pays. Hein. Qui est-ce qui t'a causé? Même qui t'a causé de la vie, pas parler. Continue à demander justice. Oui, nous prenons l'état pays, il y a ma jeune justice. Et pourquoi ma jeune justice? Quand tu as un avocat, juste que tu es à l'aise pour ça. Pour la l'aise, que nous-mêmes, nous sommes en souffrance. Et chaque fois, nous sommes en souffrance. Gagne-nous là. Gagne-nous pas bon mentir là. Chaque fois, nous sommes devant Simon. Je ne vais pas chercher dans le jeu, pour moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Et là, après, je me suis dit, je suis en train de me parler avec ma blague avec lui. Le mouvement là, quand même, après, il est encore même tombé. Mes amis, au sol, pas de maladie, pas de gagner. Je n'ai pas la toilette, mon cher. C'est comme si l'on finit, on était en été, on était en tout bagage fini. Tout bagage va finir, mon cher. Et maman, mon modèle, mes papas, me sont mourus là. Et samedi, là, en terre, et maman, nous allons mettre en bataille. Et me dit ça quand la maman me dit merci avant de mourir pour petit garçon là au défi parce que l'aide combien je t'appelle l'hôpital là il t'a toujours bon côté. D'accord. Merci un peu le héros de Moïse. N'a pas appelé aussi frère Vertil Elie, jeune garçon ça qui était mort 26 janvier 2022 à Kabbal sous place Cana PVR.
Kondagana et de son gouvernement Jean-Josué Clotaire et il y a une interdiction de départ que le commissaire et la Fontaine émet et contre lui pour interdire de quitter le pays à n'importe quelle voie au nom document qui a rejoint le directeur immigration et immigration en février, soit le 4 février 2022. Il était interdit Jean-Josué Clotaire, ancien chanteur de Barricade Crew, tout le monde connaît sous nom Kondagana pour ne pas quitter le pays. Bon, monsieur Asso dit que il connaît Kondagana dans le pays à Piafé, sauf que c'est le soir. Mais on a rappelé tout et Kondagana qui était accusé comme monde qui a assassiné 200 fois et livré le canapé vert, je dit là, mercredi 26 janvier, et bien nié en bloc tout ça au reproché lieu. Je veux dire, il va gagner. Et pour ça, au contraire, je t'ai expliqué que dans le moment ça, il était dans le poste de travail, dans le moment que vous n'avez pas commis là. Mais malheureusement, monsieur, pourquoi j'aime pas être libéré. La justice, pour la dire, c'est le CPJ, pourquoi j'aime dans d'elle. Le CPJ, tout pour faire des efforts, pour tenter de les rappeler, sont ces policiers, c'est une team qui a dit comme ça. C'est ces policiers ou bien ces policiers, bon, policiers en fonction, c'est pas révoqué. Il n'est pas révoqué, son policier en fonction. Sauf qu'on a rappelé qu'il était une interdiction de départ qui était mettre comme lui. Il fait avoir d'autres postes, peut-être. Ok, on nous retourne sur le dossier ZAM, conférence autorité américaine yo te bay, pour dire que yo saisi une quantité ZAM qui était sur route pour rentrer à Haïti. Et on a fait ça avec collaborateur dans Luxon Saint-Ville qui est en direct avec nous. Luxon, bonjour. Bonjour Gary Jessel, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Lydia Alexandre, bonjour tout le monde. Oui, ou t'es une précision qu'on t'avait porté pour nous par rapport à sujet ça. C'est vrai que t'es diffusé un reportage Voix de l'Amérique sous ça tout à l'heure. Mais t'es gagné une précision qu'on t'avait porté et partager avec nous. Alors, moi, j'ai deux précisions que m'devais porter. C'est que, dans ce qui dit dans la presse et américaine, et particulièrement dans un média en Floride qui c'est Local 10 News, ils ont révélé que en général, le gain question trafic d'am qui a fait ici aux États-Unis, particulièrement en Floride, moun qui a acheté d'am yo, c'est des moun, t'as qu'à dire en bon français, c'est des acheteurs fictifs. Ça veut dire c'est des moun qui pas, c'est pas vraiment des moun comme si qui connu, et c'est des moun tout qui peut-être gon casier judiciaire qui est normal, qui pas gagne aucun problème avec la justice. Et c'est des moun tout qui acheté zam yo légalement, yo acheté cartouche yo légalement, mais yo pral voyer l'on pays sous marché noir. Par exemple, j'ai offert pour Haïti. Donc c'est pas seulement et Haïti yo fait trafic ça. Et dans ça qui dit dans Local 10 News, le plus souvent moun sa yo qui a fait transaction sa yo, yo souvent utilisé Sud Floride la pou yo fèl. Donc ça veut dire Sud Floride là aux États-Unis, c'est pratiquement et yon zone qui facilite plus et trafic illégal zam. L'autre bagay ki m t'ap pral préciser pou dans reportage la Voix de l'Amérique là yo bay quelques détails sous et calibre zam yo. Mais puis devant et responsable régional et département sécurité intérieure et branche Miami il y a une précision que le fait, il dit que quantité et puis calibre zam que eux même yo présenté yo, c'est des armes qui puissant en pile, yo tellement puissant non seulement yo capable massacrer moun, mais tout c'est des âmes qui ont capacité pour yo écraser un hélicoptère ou bien un avion. Par contre, si nous plus ou moins saisis, non, ça veut dire c'est des calibres âmes qui tellement lourd, qui tellement puissant, c'est des âmes qui écrasent un hélicoptère, qui écrasent un avion. Donc Léon responsable dit ça, c'est parce que il connaît ça la paléa et le connaît calibres âmes. C'est peut-être ça et responsable a dit que c'est un bagage qui extrêmement inquiétant pour yo, c'est ça le dit à Associated Press. Yo dit que malheureusement et moun yo toujours joine des couloirs pour yo passer par sur Floride là pour yo rentrer zam illégalement et en Haïti.
Sauf que pendant la conférence là et responsable yo pas bay trop détails sur quantité zami yo saisi et sauf que yo dit que ça représenté là c'est en partie dans ça que yo saisi des zami qui t'a rentrer en Haïti par contrebande. Donc sud Floride là son côté autorité américaine yo gan pile focus sur lui parce que gen pile bateau qui fait bon sud Floride là pour aller en Haïti et moun yo souvent utiliser bateau cap sorti dans sud Floride mettez bagay là dedans yo pour yo capable rentrer en Haïti. M'a rappelé que moi te gen interview que m'te fait avec Rod Joseph qui c'est un vétéran dans l'armée américaine qui connaît question zam bien. Il t'a expliqué nous comment un monde capable acheter zam légalement ici aux États-Unis. Donc mon capitaine de là zam ça le plus souvent mon rentre en Haïti hein? C'est des amis achetés légal ici aux États-Unis. Yo juste à voyer en Haïti illégalement parce que yo connaît comment pour yo faire pour yo transférer un zam dans pays étranger. Alors m'pa connaît est-ce que et si nous prêt pour nous ta ka faire mon tande yon un extrait de Rod Joseph en interview que m'te fait avec sa gagné et environ un mois si m'pa trompé et parce que Rod connaît ça m'te vle font ti retourner sous li pour auditeur auditeur Skybio et plus ou moins gon l'idée de explication le tabay qui j'aime mon ka acheter zam légalement et transférer zam dans l'autre pays zam que acheté aux États-Unis et qui danger ça gagne là-dedans mais tout stratégie moun yo kon fè pou yo e fè trafic zam illégal là. En seconde Luxon pour que le temps pour nous capable côté en tout cas intervention Rod Joseph dans cadre intervention. Acheter pour moun ka acheter zam pour voyer dans pays étranger non l'autre pays première avenue moun nan gade c'est avenue qui pas légal là parce que et pas parce que moun nan vle faire ça nous puis fò moun yo pas konnen. Mais si que pour aller dans avenue légale là qu'on y a là, ou gen yon forme pour remplir. Là ou aller dans DHS, ou prend forme nan ou remplir. 4457 là ou remplir li, ou déclarer, ou dit zam ça, ou même soit vivre aux États-Unis là oui, zam ça li même ou gen intention pour voyer dans l'autre pays. Y a pas le mando, est-ce que c'est temporaire ou bien est-ce que c'est permanent? Qu'on y a là si c'est temporaire ou a rempli forme non ou a dit mais combien de temps à faire mais combien de temps à faire mais combien de temps à faire ou même qu'on y a là et pas job l'état ici pour mander ou si zam légal ni paye ou pour aller à est-ce que ou autorisation pour lui c'est responsabilité ou sous prend zam ou décide vous là Haïti exemple c'est responsabilité pour connaître conformité loi l'autre bord c'est pour ça même sous tes citoyens américains passeport là regarde les dernières pages là il dit que qui porte violation fait qui en critère pour sanctionner par côté pour visiter l'état américain pas ca faire pour ça veut dire faut un pile monde paye attention de ça l'affaire zam pour exporter li très vague ou gagne au maximum de 1000 boulettes ou capoter sans que ou pas déclaré sans qu'on pas mettre 1000 boulettes en bas valise ou alors mon capitaine de la boulette c'est cartouche cartouche pour mettre en bas valise ou pour mettre depuis boîte pas supposé temple ça veut dire boîte pas supposé ouvert. C'est j'en achète ou mette yo dans boîte pas tepé yo parce que l'air check dans custom pour custom pas dans relo j'en li dans boîte là parce que boîte la fermé qu'on y a là ou ka mettre 1000 cartouches pour te 1000 cartouches en bas yo laisse ça bag hack ça veut dire en bas bag là en bas avion hein. OK qu'on y a là ça encore ou pas faire qui illégal mais qu'on y a là dans pays qui pas recevoir là qu'on y a là est-ce que ou en conformité avec loi et régulation pays ça c'est là problème dans venir deuxième bagage qui ca gagner connait là c'est là que on mon a vivre Haïti il ca venir ici pour l'acheter aux âmes faut gagner autorisation chef la police là déjà la police là Bali déjà la police là a deux documents là deux documents côté il t'ai fait demande avec chef la police là l'a fait encore l'a gagner l'autre côté chef la police là déjà la police là ba l'autorisation d'achat d'arme l'a dit exactement qui calibre qui quantité qu'on y a là lui même l'a vini l'a prend traduit document ça yo l'a traduit document ça yo là là le connait là côté pour l'acheter d'arme non
la faire connait zam ça c'est pour le voyer Haïti direct les que ça les orelé pas faire même background check là ça on pas faire on pas vérifier document faut que on enregistre après les ATF pour enregistrer pour dire que zam ça a quitté États-Unis pour y aller à Haïti. Alors, fond ATF, c'est l'institution qui gère. Qui gère les questions d'armes, alcool et puis affaires d'armes. Quand il y a là, l'infini, ça, quand il y a malgré ça, on a tout ça, on a tout document ça, il y a pas le bon papier ou acheter d'armes, non? Il y a pas le bon reçu, quand il y a là, on a clapsé avec papier autorisation gagnant. L'arrivée là, airport, on a déclaré d'armes ça. Avec tout papier ça, encore, job airport, il n'y a pas vraiment de questions si d'armes légales. Ni sous autorisation. Yo karele yon agent et CBP. Là on vient ça c'est on va checker pour regarder si zam non. Si son zam qui match document gain. C'est ça, yo va pas checker pour si zam non légal, il va légal non. Il va checker pour voir si document zam non là dedans non. Papier est-ce que il match même numéro. Après ça, il y a prendre six string, il y a retirer charge là dedans non. Il y a mettre en sécurité là dedans et puis il y a remettre et moun flat de yo pour remettre pilote là li. L'arrivé pas pour mettre zam ça. Yo pas contacter des CPJ ou bien inspecteur qui n'a pas là, il a remettre li à moun ça qu'on a ou même pour aller pour elle réclamer zam ça. Qu'on a là avec document gagné, avec autorisation de gagné, si son autorisation ou te légal qui pas gagne problème, des CPJ qu'on a là processus pour faire balistique, ça pas régler de temps yo. Mais c'est simple comme ça pour t'apporter aux armes en Haïti. Bon, l'autre bagage encore. Bon, licence pour t'agir. Juste parce qu'il y a un soldat américain, parce qu'il y a un retraité, ou pas qu'à prendre un pour voyager avec. Même là, active, si c'est pas sous ordre ou sous commande, pour aller dans un pays spécifique avec les armes, ou pas qu'à même voyager avec les armes. Ça veut dire, je vais mettre clair pour que ne pas confuse. Parce que je vais plus de soldats qui ont dit que les armes, ils veulent aller avec Haïti ou pas capable. Moi-même, ça permet, moi, pour me voyager avec Zam, c'est parce que moi-même, j'ai une licence sécurité, je n'ai pas de sécurité. J'ai une licence DOS parce que je suis gradué dans l'executive protection, qui c'est le bodyguard. J'ai une licence pour ouvrir un compagnie bodyguard. À l'aide de ça, il y a un pays qui a une ambassade américaine là-dedans. Que la licence que j'ai qui autorise pour me voyager avec Zam, il y a une ambassade américaine pour me voyager avec Zam avec lui. Am ka voyager aller tourner sans pas passer dans toute procédure ça parce que me déjà gon licence que me gien dans mes département justice et département homeland sécurité donc moi même m'éviter faire bagaille ça yo parce que si c'est pas nécessaire m'pas il pas en nécessité ça veut dire avant que pour aller aux Haïti faut qu'on ait soit aller ou cliquer dans avion américain ally ou juste mettre comment pour voyager exam ou avoir une instruction sur ça parce que il pas illégal. Voilà, c'était en tout cas yon bout nan interview ça collaborateur Luxon Saint-Ville t'est réalisé avec Rod Joseph. Luxon ou ensemble avec nous? Oui, moi là guerrier. Alors yon n'a même d'après le dit après intervention Rod Joseph ça interview de fait et ça gagne environ un mois et Rod Joseph t'a dit que États-Unis dans zam k'ap sorti la caille li pou aller dans l'autre pays. Li pas vraiment montré gen trop intérêt pour chercher gen contrôle yo. Alors une bagaille qui vient arriver c'est que ou senti que autorité américaine yo ouais que niveau banditisme ou ben violence gang yo rive non niveau trop haut et en pile moun a tenté longer droite sous États-Unis comme source côté zam yo sorti donc yo vle souke ko yo yo vle montrer et tout moun que yo gen action que yo vle poser maintenant you know qui gen c'est que question pour acheter zam aux États-Unis li tellement simple et facile c'est ça fait qu'on bon monde qui rentre dans business ça. Rod Joseph dans interview me gagne avec lui dit que question trafic illégal zam avec trafic et drogue c'est deux trafic qui très difficile pour monde contrôler à travers le monde et c'est une et trafic zam là c'est une trafic qui baille en pile l'argent et haïtien vient comprendre bagaille ça très bonheur. Ça fait longtemps que Haïtien a fait trafic zam. Maintenant, Livin pi enragé et autorité américaine yo dit, dernier temps, ça yo constaté gagné une augmentation de calibre zam sa yo, kap soti Floride, pour aller à Haïti. Ça veut dire longtemps, nèg a te gen wa depatcha 9 mm, 38,
et parfois quatre manches longues, mais kou n'y a là autorité américaine yo di et comme si yo constaté gen plus manches longues k'ap sorti États-Unis particulièrement sur Floride là pour aller en Haïti. C'est comme si Haïti son pays qui est en guerre, c'est et manches longues seulement k'ap sorti États-Unis pour rentrer en Haïti. Mais n'a pas rappelé guerrier que depuis commencement année 90, États-Unis t'ont imposé un embargo sur vente d'armes à Haïti. Donc Jean-Rod Joseph se dit là, conseil de zam pour un monde sur États-Unis avec pour aller à Haïti, gagner autorisation express que on doit joindre bon côté direction générale la police pour capable venir avec. Mais malheureusement gagner un pile monde qui choisit l'autre route pour capable rentrer zam en Haïti et question augmentation trafic illégal zam nan qui renforce question gang nan en Haïti, li préoccupé autorité américaine yo fait paraître ça dans conférence là, mais tout dans niveau conseil sécurité Nations Unies déjà n'a pas rappelé et dans mois juillet que ce passé a été approuvé à l'unanimité en résolution non seulement pour renouveler mandat bureau l'ONU en Haïti, mais tout pour demander tout pays qui particulièrement dans zone Caraïbes là pour mettre fin avec question trafic zam, mais tout trafic cartouche qui mettait la vie en pile mon en danger. Circuler parce que c'est réseau nord-ouest qui parlait de la même conférence ça et yo autorité américaine yo révélé gagne yon bureau que yo l'ouvri dans Port-au-Prince sur question ça. Alors moi pas ouais ça, mais sauf que et département sécurité intérieur mélangé avec ATF et qui c'est bureau qui gère question zam alcool à drogue, yo souvent gagne des collaborations avec des institutions en Haïti. Si yo pas gagne collaboration avec des institutions, yo gagne contact permanent avec ambassade américaine en Haïti. Maintenant par contre, est-ce que gagne un bureau effectivement on pral mettre, maintenant si yo mettel son bagage qui a très spécial par rapport avec situation ça gagne là pour porter une réponse. Mais dans tout texte que nous garder yo nous pas vraiment ouais côté yo annoncé là. Maintenant si yo annonce une mesure comme ça, c'est sûr que son problème que yo prend très au sérieux, son situation que yo voulait adresser, mais tout son façon tout pour américain essayer laver tête li plus ou moins, parce que dans ça qui a passé en Haïti là, dans question trafic illégal zam, États-Unis c'est un pays qui a longé doit sous lui, parce que on dit c'est là puis faut zami sorti particulièrement dans sud Floride là. Merci un peu Luc Sonsavel. Merci guerrier, merci Johnny, merci Lydie, merci tout le monde. L'État Haïti pas produit balle, li pas produit zam, côté balle ça au sorti. Côté zam ça au sorti. Caraïbe FM, journal créole, première occasion à para poursuivre, n'a pas essayé d'entrer en contact avec Stanley Jean-Julien pour nous parler de situation. La troisième circonscription Port-au-Prince, écoutez, il y a un pile l'école qui toujours était à Port-au-Prince fermée, alors que nous, à quelques jours là, pour l'école t'a rouvri. Comment situation y est? Est-ce que Timonio, dans la troisième circonscription Port-au-Prince, a gagné chance pour retourner dans sa classio? Nous connaissons, Bandio qui contrôle les troisième circonscription, t'es forcé en pile famille, en pile établissement scolaire, en pile entreprise quitter troisième circonscription Port-au-Prince là dans bataille entre eux. Avec nous coordonnateur général organisation ça, Stanley Jean-Julien, n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour guerrier, bonjour Lydie Alexandre. Bonjour toutes amis, tout fidèle auditeur qui pas jamais raté et journal première occasion. C'est toujours avec plaisir les moins à participer dans journal ça. Donc guerrier ces gens au soutien là, nous tous cap vivre dans pays là, nous connaît dans qui situation lamentable, dans qui situation difficile et pays en général. Tout passé, yon année scolaire vraiment difficile dans des conditions catastrophiques. Et nous remarquons, et à côté de remarques que nous faisons, nous gagnons
en pile information bon côté en pile directeur en pile parent qui relé nous qui dit nous pas gain aucune avancée qui fait et qui montrer que yo même yo gain confiance que yo capable cerner nouvelle année scolaire ça qui va arriver là nous songer et mois de juin qui s'est passé là fait un an depuis que grand pile côté dans pays là surtout dans troisième circonscription Port-au-Prince là gagne guerre qui déclenché qui te permet que en pile l'école et ferme porte yo gien quelques graines là-dedans qui étaient allés l'ouvrir et l'autre côté dans des conditions difficiles et parce que non seulement on demande en pile corps pour local et majorité timon yo pas fini année ou bien gien pas capable commencer année qui s'est passé là donc malgré nous-mêmes nous t'ai fait en pile pression pendant t'a fait pression dit suggérer nous proposer à l'état à autorité étatique et mais ça t'a rien fait parce que nous t'ai constaté les zones yo est très vulnérables comme ça les zones yo marginalisées au niveau ça les zones yo gien des actes banditistes qu'a fait là-dedans au niveau ça et puis pour gagner un paquet de jeunes garçons de jeunes femmes qui pas capable rentrer l'école donc nous pas capable espérer à l'autre bagaille dans 5 ans dans 10 ans n'a continuer joindre le même résultat que n'a jeune journée aujourd'hui là à côté de ça non qui ouais et ministre éducation nationale là t'ai tenté faire en démagogie que nous-mêmes nous t'ai prendre à contre-pied elle t'ai essayé aller dans l'école nationale qui Bossine Bernadette là et montrer que lui voulait ouvrir l'école et pendant que zam yo pas bébé bal yo continue à tirer et il y a des monde martissant et en dedans Fontana qui continue à prendre balle peut-être que c'est parce que tout le monde comprend que yo habitué avec situation ça ou paroles on va parler dans radio et gien monde qui prend balle qui enterré samedi passé à là ça pas parler gien monde qui prend balle qui dans mort qui pour capable enterrer et paroles ça continue pas parler et nous remarquer et tout n'a parlé avec un pile directeur yo dit non c'est comme si situation pire empiré parce que yo rivé dans phase côté que yo voulait retourner dans espace côté hôtelier surtout dans troisième circonscription et plus précisément en dedans Martissan qui gain on quantité l'école qui fermait les n'a gardé nous l'école nationale Pérou nous prend Fortuna Guéry nous prend Nicaragua qui entre 4e et 5e avenue nous prend Emmanuel nous prend les n'a gardé pour nous prend l'école nationale Carisse Risson qui en dedans Fontamara et une pléiade de l'école privée tant qu'au frère Rock tant que et Miel tant qu'on paquet l'autre l'école en dedans Martissan en dedans Fontamara qui n'a des conditions difficiles pour réouvrir porte pendant que il y a des informations de par directeur de par responsable l'école même qui vient joindre nous qui dit que c'est pas de l'argent qui était dépensé pour moun sa ou te vin faire cinéma ça en bas et yo même bonne information pour dire que hier gen un conseil des ministres qui était de fait alors pas compte s'il fait ou li pas fait OK qui t'a fait principalement pour ça pour nèg yo continuer bafouer moun et alors ministre éducation nationale là directeur général et départemental l'ouest là pour montrer moun que yo a passé Martissan pour yo vinn faire réouverture des classes à Carrefour pour montrer que pa gen rien dans zone sa yo et pendant ce temps yo connaît que parents pa ka mené ti moun l'école directeur yo parle avec en pile professeur parle avec yo dit yo pa capable passer en bas pour y aller normalement kembe met ti moun yo donc journée jodi a nous conscients que nous comprenons très bien nous en affaire à un paquet de responsables qui dit que c'est responsable mais pas responsable vrai parce que nous-mêmes comme responsable vrai nous connaît si tu as droit gagner on démarche qui fait et tu as droit gagner parce que nous pratiquement gagne 2 mois depuis l'école fermée c'est tu as droit garder comment zone ça yo tu as capable gagner et sécurité là-dedans yo et deuxième démarche c'est tu as droit et réouvrir l'école
dans un climat qui inspire tout le monde confiance, dans un climat côté que parents yo senti yo confortable, professeur yo directeur yo et ti moun yo va prendre chimie l'école dans toute quiétude. Donc derrière si n'a prend l'école là et n'a prend la vie chère, n'a dit comment ti moun yo va le faire étudier parce que ti moun n'a pas l'école. Alors ça qui capable à l'école yo pral l'école pendant que yo pa gen même un pèp pou mete nan vant yo. Nous comprenons jodi a pa gen personne moun nan peyi a ou du moins ti minorité jud jud ki ka manje on pèn et moun ka longe dwèt sou yo parce que li pa pan pile et les ti moun nan déplacé li pa la kay li se kay moun la dormi devant porte la kay moun la dormi a paran li pral l'école situation vin pi difficile pou li et pa mande bon dieu ti moun nan par exemple li te l'école Octane de Louche, li ta habite le matin 23, c'est un mi traversé la ou ya, li vin l'école, jodi à l'école la, dépaysé nan Carrefour, et ti moun nan peut-être habite, et Fontamara ou bien Bizoto. Donc, nous gen une question de gaz, qui t'est chargé, qui fait que l'État perdit contrôle gaz là, donc l'État perdit contrôle, prix transport et tout. Donc, ça vient complètement empiré, et si ta gen une l'école qui t'a fait forcing, l'ouvrir dans zone qui gagne pile chambol yo n'a dit est-ce que nous capable faire un mariage entre insécurité et l'éducation côté que bribal yo pas jamais suspend moun pas jamais suspend prend balle dans zone que on dit qui zone défavorisée. Néjean Julien, question avec Lydie Stanley. Stanley, et nous t'apprendons avec attention. Mais qui te mando ça, me songe au retour de Nesmi Maniga dans tête ministère éducation nationale, il était une campagne que il était lancé pour l'école relouvrir dans quartier populaire yo, et il était même annoncé gain de l'école qui était l'ouvrir porte yo, mais qu'on y a ou c'est comme si on a lancé une sonnette d'alarme pour l'école qui va relouvrir là et surtout dans troisième circonscription qui pas gain l'école. Est-ce que programme ça Nesmi Maniga t'est venu ensemble avec là, il pas implémenté vraiment ou bien il pas fait couler dans troisième circonscription hein, Jean Lio t'a prôné ça? Bon, premièrement m'a dit Lydia Alexandre que Nesmi Maniga c'est un ministre que Stanley Jean Julien grand pile respect pour lui, même pas comprendre et comment faire Nesmi fait rentrer dans un cinéma pareil peut-être pour faire bataille pouvoir ou bien pas comprendre ou bien pas connait pas de bagaille. Côté m'a parlé à Volana, il y a pile forcing qui fait sous directeur l'école nationale yo dans troisième disposition contre Prince pour garder comment mon camp qui t'a cap fait dans Pérou. Donc moun ki kon Matisse bien kon côté Pérou positionnel et si par exemple gen des moun qui tenter rivan dans Pérou, m'pa besoin di nou comment yo fait pour arriver dans Pérou. N'a comprendre très bien qui démarche capable fait pour entrer dans Pérou parce que bal yo pa jamais suspend tiré dans zone Matisse. Zam yo pa jamais suspend tiré. Et malgré yo cumulé et toute l'école yo ensemble, yo pratiquement pas joindre 200 moun pendant que yo a pas pile fois signe pour faire ça. Donc moi même parler à plusieurs directeurs d'école dans l'école ça y a fait fois signe sur yo. Donc c'est le même qui dit que yo soit ou pas veut perdre job soit des conditions fois signe pour qui ça Stanley pour capable ouvrir l'école là. Si on t'a capable son clan pendant vacances là, yo clan qui peut-être t'a capable inspirer parents si moun avec professeur confiance pour garder dans quelle mesure l'école là va l'ouvrir là si on capable montrer moun que l'école capable l'ouvrir même à Tissa. Et c'est pas fait parce que quand même si moun yo faut qu'il à l'école, est-ce que vous voulez dire que le fait que problème insécurité pas résoudre ça t'a voulu dire que l'école là pas qu'à l'ouvrir qui côté problème là yé dans dans démarche là pour faire forcing pour encourager l'école relouvrir dans Matissa? Problème là mais qui côté lié c'est parce que c'est pas jodi hein, l'État haïtien tombé sous problème là. C'est pas un problème qui vivait ni jodi à nous demain. C'est un problème qui gagnait pratiquement un an et quelques mois. Donc, si nous y sommes à l'école, même si nous-mêmes nous sommes à l'école, parce que si nous pas à l'école, si nous pas à l'école, si l'autre nous pas à l'école, nous pas à toute habilité ça pour n'a parler, je n'a parlé à là. Mais cependant, m'a montré comment et dans quel niveau l'État haïtien et moun qui gagne responsabilité dans question
éducation dans le pays a pas gagné et ça n'a pas brûlé volonté ou du moins gouvernement pas de volonté pour l'école l'ouvrement parce que première démarche là c'est à droit garder dans quelle mesure pas capable de gagner sécurité dans la zone ça et puis deuxième démarche à droit c'est l'école qui l'ouvre donc comme moun qui a vivre qui a évolué dans troisième circonscription alors moi dit troisième circonscription peut-être Belay et Belay m capable de citer Soleil La Saline et puis l'autre côté dans même situation excusez donc je dis là côté rivé là nous à deux semaines pour l'école l'ouvrir nous t'adoué dans une situation côté que même les confiances n'est pas à un niveau de 90% pas à un niveau de 100% mais au moins à 60% tout le monde t'adoué dans une situation côté que je dis bon nous qu'a essayé mais Mabdou lui dit Mabdou guerrier jodi à la côté nous chita là c'est des moun qui a fait forcing pour garder comment yo ka montrer moun que l'école capable d'ouvrir pendant que nous même dans zone là nous continuons de jouer l'école l'ouvrir bonjour bagaille est-ce qu'on ka comprendre nos zones l'école ta ka l'ouvrir là donc normalement pendant que moun yo continue dans marché poisson hein? Pendant que tout l'autre côté moun yo t'est éparpillé dans pays là yo continue la donne pendant que kayo toujours prend en otage kayo toujours pas capable pénétrer en dedans dans zone ça yo côté que moun yo couri dit zone là moi pense que si moun ça était confortable vraiment premier bagage moun ça t'a c'est la caillou t'a tourné et le col ça qui va l'ouvrir t'a tout près la caillou yo t'a prendre marcher 5 minutes 10 minutes à pied si moun yo mené si moun yo le col rentrer là dedans donc nous même qui là dans micro aujourd'hui a n'a dit que oui faut que le col l'ouvre parce que faut que ti moun yo à l'école pour continuer à diminuer la délinquance juvénile dans le pays, mais il faut qu'il y ait l'école dans des bonnes conditions. Conditions déjà pas bonnes. Côté que nous avons fait un aller pour la question de l'école, la vie chère, c'est compliqué. L'école, gaz, transport public, c'est compliqué. Gaz et sécurité, qui est vraiment compliqué. Donc, à côté de toi, causer ça au Kemdoula là, n'a pas gardé. Comment l'école est capable d'ouvrir dans une salle? Stanley Jean-Julie, ou saute rappeler nous là que nous avons deux semaines de la rentrée scolaire. Et est-ce qu'on est capable de décrire ou bien font-ils présenter nous surtout l'école dans la zone yo? Comment yo y est? Est-ce que il y a une infrastructure? Est-ce que il y a une réparation bien réaménagement qu'a fait puisque on dit que il y a un forcing qu'a fait pour l'école ta retourner ta recommencer dans la zone ça yo. Présentez nous espace yo comment yo y est? Lui dit bam dio premièrement moi-même Sandé Jean-Julien pendant moi ça moi utiliser stratégie. Alors, dans des conditions très difficiles, je passe ma fille sans fou, juste pour me capable d'essayer de gagner une lecture de zone. Il y a des côtés, c'est gros pied bois qui monte dans, sous chaussée à même, la boue, fatra. Bon, c'est pas côté sous vous bête ou rémé ou cap même prendre pour quitter là pendant 5 minutes. Là, on peut connaître, mais l'autre, l'école là, on peut connaître espace côté que, yo pral bay ti moun yo et ti moso pain ke dedans mais non moi n'a pas cours que moun capable faire pour arriver dans espace ça yo bon m'dou hier moi gagné trois directeurs d'école privée et yon directeur d'école nationale qui relé moi yo di bon m'dou Stanley comme c'est toujours à prendre défense nous dans zone là qui côté yon moun pral passer à un ti moun pour venir dans l'école ça. Et des écoles jusqu'à présent dans zone ça qui s'est abri pour monsieur yo. Je monsieur sous doyo, je monsieur Kandan yo. M'pa konn si nous comprenons la situation m'a décrit nous là. Comment Octane de Louche va le faire ouvrir? Comment Frère Rock va le faire ouvrir? Octane de là, comment Nicaragua qui entre 4e, 5e et 5e avenue pour le faire ouvrir? Comment Pérou qui presque, qui ne coincé de Benadette là, qui presque m'a fait sans fête, côté que balapte pouf pouf, du retourner, comment les croissants vont faire l'ouvrir vrai? Donc, faut que vous montez normalement aller vérifier, ou du moins si vous n'êtes pas capable, vous voyez,
ou moun bon qui cap très difficile parce que moun n'est pas victime parce que jeune ça yo ou pas contre qui le bagarre la éclater qui le pas éclater jodi ou ka passer ou ces monsieur seulement qui très calme cap régler cause yo demain si Dieu veut cette balle cap frapper tout côté. Oui. Donc vous pensez que c'est vrai, c'est important pour l'école de rouvrir, mais il y a des mises en place qui doivent être faites et le tas doit concerner tout gouvernement, a dit ni la police nationale d'Haïti, ça dit pour question sécurité à faut résoudre. Ouais. Et question grand groupe gagnant, gon paquet de monde qui quitter la caillou, gon paquet l'école qui pas qu'à fonctionner. Donc vous pensez que faut ta gagnant et en fait l'école là pour l'école là ta l'ouvrir l'état doué une priorité de gouvernement en lui-même pas seulement ministère éducation nationale certainement et d'autre plus guerrier que m'a dit on bagaille c'est pas qu'on y a tout pour le pas fait parce que nous pratiquement gagné 2 mois depuis l'année scolaire là et alors l'unité est fermée parce que bouclé malgré les bouclé bon boyon information guerrier gagne l'école me cité là c'est 7 timoun qui ont l'examen philopoli. C'est 9 timoun qui ont l'examen 9e. Pendant que vous avez 40, vous avez 35, 30 timoun dans la salle de classe. Ça, c'est une formation. Vous avez même, oui, directeur et les moui. Timoun allé Jérémy, timoun allé Okaï, timoun n'était pas à l'école du tout. Et puis, vous résigné, vous fait ça, vous délogé. Et puis, 5 graines, 7 graines, 9 graines, vous avez envoyé dans l'examen. Donc, qui ça a fait là? Alors, pour vous, l'État, comprendre, juste pour faire moun dormir ou du moins continuer passer moun nan tete pour faire démagogie et puis pour moun qui pas des yeux pas faire lecture pour comprendre ça qu'a fait là pour montrer que son bagage c'est ça réglé. Donc ça fait un an yon année scolaire très difficile côté que l'état doit prendre un an ça comme exemple pour la réfléchir pour résoudre problème non. C'est le premier bagage là. Deuxièmement, nous sommes fait 2 mois vacances là, à côté que nous avons fait tout moyen ou bien toute stratégie qu'on a utilisé pour première démarche à cet adoué. Gardez comment vous mettez sécurité dans la zone après ça pour l'école relouvrir, pour ce pas 10 timoun qui l'école, pour ce tout timoun qui a l'école, pour jeunes garçons, jeunes femmes dans la zone là, continuer, suspendre les âmes dans la main. Donc ce n'est pas ça que nous avons besoin. C'est pas solution durable n'est pas besoin. C'est solution cosmétique. C'est montrer moun l'école l'ouvrir. Bon, littéralement clair, n'est pas préparer là pour aller ouvrir l'école là, zone Carrefour, non l'école nationale, pour montrer moun que jou ça, yo passé dans Matissan, et nous connaissons comment y a passé, nous connaissons comment y a passé, nous connaissons ça faire dans le passé. Pour passer dans Matissan, pour ouvrir l'école, là, au fil, c'est le kounia, après 2 mois, 3 mois, ou t'as des petits moun prennent balle dans la salle de classe, par un cap mené qui moun l'école prend balle, l'école pas carré l'ouvrir, ou plus que chargé. Mais nous pas cap mettre dans situation chaque jour pour la penser malin. En nous essayer garder de quelle mesure nous capables d'utiliser de très bonnes stratégies pour nous mettre pays en confiance, pour nous mettre profession en confiance, parents en confiance, et si moun yo tout pour étudier dans des conditions normales, côté que yo même yo cap assimiler ça ba yo. Aussi simple. D'accord. Mais merci un peu Stanley Jean-Julien, nous t'es content de parler avec vous au matin. Mais avant ça, c'est dire monde qui était dans centre sportif Kafouyo toujours là ou sont des monde qui gagne des monde qui sont. Alors, on s'est parlé avec Manisa Jude Tamara. Et puis dernièrement moi qui font passer tout gagné et FMI de concert avec Méri Kafou qui gagne en pile là-dedans yo ba yo un petit onti monnaie qui déplacé mais nous connaît que ça yo ba yo capable ba yo on 6 mois capable ba yo on 5 mois mais après ça yo va dans mitan la rue encore ou bien Jude doit mettre préparer il a retourner dans centre encore parce que meilleure stratégie que l'état était capable utiliser c'est faire moun yo retourner la caillou parce que les moun yo la caillou yo zone mango yo nos avocat y a manger parce que au côté pour dormir yo pas courir derrière au côté pour dormir mais marché poisson Fontamara lui-même lui situation yo pas changé du tout et Didier vient bon jour où qu'on ouais les vieux mari cabri mari bête dans piquette et c'est comme ça oui moun yo en bas c'est à terre oui moun yo ouvert on laine à terre mais moun jour côté en dans chargé cabri cochon plagué bol en mer et puis pour diable moun yo tirer chaud ça gagner ça on ti du blanc bay l'autre mon cuillère là-dedans
C'est de la gaille. Je dis nous ça déjà. Faut nous voyer, c'est pas un reporter, des caméramans aller sur place pour faire vidéo, pour garder la situation de Mounsayo. Pour nous voir si Mounsayo te gagne. Si vous êtes sorti que vous êtes confortable, si vous avez l'État qui inspire la confiance, côté que des sécurité, est-ce que vous allez retourner la caillou? Et si vous ne savez pas qu'à retourner la caillou, comment l'école va faire ouvrir dans la zone ça pour mettre des petits mounes l'école dans la zone ça? Mais bonjour, ça c'est pas gagné tout petit monde qui pas même gagné en pile l'âge qu'à comprendre. Il a dit le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. On ne met pas l'école ça, la comprendre ça. Tout le monde comprend que c'est démagogique à fait. Donc, moi, par les ministres et puis directeur départemental là, gardez ça en l'autre façon, parce que même si on a baissé les forces sous nous, même si on a baissé les chita avec eux, même si on a dit nous avons fait ça, c'est même nous même qui avons pris l'aide dit pour me dénoncer la situation ça, parce que ça a peut-être là-bas. Bon. Ok, merci. Merci un peu, Stanley, Jean-Julien. Guerrier du seul, et moi, j'ai un commentaire m'a fait très rapidement, c'est par rapport avec deux points. Ou même avec Lydie Soud souligné là, je pense que son consultation gratis, chéri, nous bail et gouvernement. Et en mai 2022, là, si je ne me trompe pas, c'est en lundi 30 mai, gagné un ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, qui était et visité l'École nationale d'application et l'École nationale de la République du Pérou au niveau de Martissan. Et les salles étaient accompagnées de représentants de UNICEF. Mm-hmm. Donc, c'était Bruno Maes. Côté que Yotal voyait un signal par rapport à cette campagne et que le TAP menait tout au début pour rélouvrir l'ensemble de l'école qui était fermée au niveau du quartier populaire. Yo. Avec intervention, monsieur, donc, c'est Stanley Jean-Julien. Mm-hmm. Et puis, question lui dit poser, ça permet que nous attirer l'attention et l'équipe gouvernementale là sur ça. Il pose cette question de volonté pour réouvrir l'école là dans le quartier populaire ça yo. Parmi les sacs que fait au fermé, c'est pas ton bagage simple. C'était une insécurité à plusieurs volets et on a d'ailleurs c'était affrontement entre gangs armés. Est-ce que ça veut dire réouvrir l'école yo voulait dire? C'est toujours armé. Affrontement ça yo, yo suspend et puis gangs ça yo pas existe encore ou bien tu as décidé et déposer les armes. Parmi non, ministre Maniga capable de volonté. Pour être que l'école yo ouvre, mais on a regardé qui ça qui fait l'école yo fermée, qui ça qui fait lycée La Saline pas de continuer, qui ça qui fait lycée Daniel Fignolé au niveau de Badelma pas de fonctionner, qui ça qui fait série de l'école de la Cité Soleil pas de fonctionner. Donc ça veut dire c'est l'amour et joint nos guerriers doit gagner en synergie qui dégageait au plus haut niveau de l'État pour mettre que l'école ça ouvre. Par exemple, le ministère des Travaux Publics li gagne autant pas bon même là pas bon c'est des canaux qui est embouché parce que pas oublier son qui presque abandonné c'est leur machine qui fait et pendant un moment ça pratiquement un an donc ça veut dire qu'on s'est eu deux zones au niveau de Delma soit regarder pas Delma non Bel Air soit regarder Bel Air par exemple qu'on s'est eu de barricades qui montent mais au terre zone là méconnaissable qu'on s'est eu de pile c'est comme si c'est on côté qu'en guerre moi même me fait un coup d'œil et récemment m'a regardé pile sac sable où qu'on voit les soldats en guerre les soldats abrités. Mais c'est comme ça. Donc, sous près de 10 fois que l'école est réouvrie, donc, il y a une série de petits monde qui pas forcément habitant dans Bel Air, mais qui est l'école Bel Air. Une série de petits monde qui peut habiter dans les zones avoisinantes. Oui, dans les parages. Donc, il faut accès pour venir. Maintenant, l'école est réouvrie, il y a une garantie de sécurité pour les petits monde. Et bien, pourtant, Jean-Julien, je vais t'exprimer là. Est-ce que la police est impliquée dans le processus de réouverture ça? On ne sait pas. Et ça fait des gens qui te croient que. N'est-ce pas n'est capable de bonne volonté, mais faut pas et faut veiller pour ne pas assimiler ça l'affaire ou démagogie. Jean-Julien se dit là parce que le ministère de l'Éducation pas capable même seulement entrer dans la base. Ou se dit CIS, peut-être ministère des Affaires Sociales, parce que pour famille qui l'a des bras balancés, pour ça, je n'ai assistance. Vous comprenez? Et puis, bandit, est-ce que c'est. Mais on va le passer dans la tête pour dire non. Mais si l'école a voulu vous poser. Tonton Bandi, s'il vous plaît. Maniga, explique la République, qui formule les déjoints pendant deux derniers mois pour te permettre que l'école a été fonctionnée. Au niveau de Martissan. Donc, je pense que c'est là. D'après l'ajouté, Johnny, pour me dire, pendant qu'on a parlé de Bel Air, là, deux zones, il y a deux zones qui sont en guerre. Par exemple, GPEP avec G9. Si les gens qui sont dans le clan GPEP, pas qu'à oser aller dans l'espace GPEP pour y aller à l'école. Jamais. Si les gens sont automatiquement sont cibles. Li son sib, li ka pa nan zon nan yo di ke son li son toutè pou bandi. Et puis tout, malheureusement ti moun nan victime. Innocent malgré doit victime.
Kounia, qui est tout... important on dit là. Justement. Pour cité sous l'air là ou bien pour zone côté qui gagne affrontement entre gang armé gang rivaux. Vous comprenez, et parce que c'est pas seulement zone ça, bon paquet de zone où jeune dans pays aujourd'hui a qui gagne gang qui prend j'arrête. Par exemple, nan Pernier, nan Torsel, nan Croix des Bouquets. Oui, Croix des Bouquets également. Donc sous dit faut que l'école se réouvre dans zone ça côté gang d'acheter l'argent content. Donc quelque part faut le faire au bien de tout ton processus. Vous comprenez, et pas qu'ajuster ton slogan. OK, ministre d'accord ou bien ministère d'accord, n'a pas réouvrir l'école, n'a pas réouvrir l'école. Ça répond d'accord avec Jean-Julien qui se fait intervention tout à l'heure. Donc faut que ministre Maniga veille pour pas assimiler volonté là avec on démagogie parce que c'est pas ça le douiller. Parce que le problème n'est plus complexe que ça. Oui. Vous comprenez, les profs l'école n'est pas fermée de propre griot. C'est pas que le ministère n'a été décidé de faire l'école. C'est une situation. C'est un problème quelque part. Donc, il faut que le problème n'ait pas résolu à la base. Vous comprenez? Pour décision, pas une décision cosmétique. Oui. Ben, nous allons parler avec un directeur de l'école dans la commune Carrefour, Braon Fresnel, qui est professeur et qui est directeur au centre d'études classiques Braon Fresnel dans la commune Carrefour. Et après, nous allons parler avec citoyen ça, qui est même tout gagné en responsable organisation dans la commune Bellens. Mais nous allons faire ça rapidement. Braon, bonjour. Bonjour Lydie, bonjour tout l'autre monde qui se parle là. Bonjour chaque monde qui a écouté Radio A dans quatre coins dans le pays d'Haïti. Bonjour Bob qui parle là. Bonjour Diaspora qui gourmet en pile pour te gagner vraiment une éducation gratis. Raison qui fait moi intervenir à Brestanley matin, c'est parce que je suis un monde qui a 26 ans, m'a enseigné la troisième circonscription. La fond difficile pour moi dans le monde pour mettre Boiron. Pour le pas connaître. Qui te dit au guerrier, qui te dit le monde entier, problème qui est dans le troisième an, il n'est pas seulement chita dans le salon ouvert. Ouvrir l'école là à qui moun, ouvrir l'école là qui est-ce qui vient faire cours, qui est-ce qui vient l'école, côté moun a sorti. Je vais vous trois exemples. Petit frère de Jésus a fonctionné dans le 65, et moi-même m'obligé à coucou moi comme la donne dans le groupe après-midi. Collégien et dit qu'il souraille, l'obligé prend collège George Washington Avel, lui prend collège Mix et Maud, qui est dans Matisse 123, la donne, c'est d'où est là, qui est trois écoles, l'autre prend Carrefour, c'est là qu'on est à la Jérémy Pénialier, dans 54, c'est là, en pilote d'écolier, l'autre prend dans Fontamara 47, où je viens de Pélège d'Oville, c'est là, lié, collège Mix fait Adouin, c'est là, où est, et où je viens de collège Mix fait Jean-Marie, qui était presque en face du commissariat, c'est là. Il y a eu des problèmes en pile.